Gauthier fait figure de favori, bien sûr. C'est lui qui prend immédiatement l'avantage. En deuxième position, il y a Théo Dietrich, et bien parti Élie Chalumeau dans les intérieurs. Et Angèle Jacquin pour Baume les Dames dans les extérieurs. On va regarder la sortie du premier virage. Avec en première position, il y a Dan Monnier. La deuxième place de Théo Dietrich. Et en troisième position, Angèle Jacquin qui est revenu prendre justement cette troisième place à Élie Chalumeau. Allez, toujours Dan Monnier en tête. La deuxième position confirmée de Théo Dietrich pour Champé. Alors que Baume les Dames Bélix occupe toujours cette troisième place avec Angèle Jacquin et Élie Chalumeau en embuscade à la quatrième place, juste devant Louis Kerber. Allez, dernier virage. Et c'est bien Dan Monnier qui va une nouvelle fois s'imposer le leader de la Coupe Bourgogne-Franche-Comté pour la deuxième place. Et bien, ce sera Théo Dietrich et Angèle Jacquin pour compléter ce podium.